Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo pack opening aujourd'hui, puisque regardez ce qu'on a au shop. On a une offre exceptionnelle. Winter is coming, l'hiver approche. 200 gemmes, 1200 d'or et 2 méga boîtes pour 11 euros. Intéressant, franchement, comme offre. Et on a une deuxième offre ici pour 3 méga boîtes et 119 gemmes. Donc, on la prendra peut-être les deux tout à l'heure au courant de la vidéo. D'ailleurs, si vous prenez des offres au shop et si vous dépensez des gemmes pour acheter des skins ou des méga boîtes, n'hésitez pas à mettre le code créateur AXAEL pour me soutenir et soutenir la chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. On va partir en survivant duo. On va jouer aujourd'hui Jean. Pourquoi Jean? Bah, tout simplement parce que si vous avez un petit peu suivi, le Twitter de Brawl Stars a changé son image et a changé également son fond. Et regardez un petit peu les images, on dirait vraiment que ça part sur du thème pirate. Donc à voir. Est-ce que ça veut dire que la prochaine mise à jour sera pirate? Je ne sais pas. Les spéculations sont ouvertes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire votre avis dans les commentaires. Allez, du coup, sans plus attendre, on est parti pour une première game. On va partir avec des inconnus. Et là, on est parti directement avec un Colt qui a été nous chercher une caisse. C'est pas mal. Il est efficace, ce petit Colt. On va essayer de récupérer une deuxième, une troisième. Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être pas des caisses par là? Écoutez, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Écoutez, on va se les faire. Hop! Attention, mon poteau qui est tout seul. Better Coldray. Hop là, on va essayer de s'approcher un petit peu. Attention, attention, la pression. Il est en train de subir la pression ici un petit peu. Ok, c'est pas mal. On leur met des très très bons dégâts. Oh, je l'ai manqué là. Oh, il est mort. Oh non, oh non. Oh non, j'ai manqué. Oh, je suis tellement déçu là. De ne pas avoir réussi à finir le Karl. On va essayer de lui rentrer quelques petits dégâts quand même au Karl. Mais je suis vraiment déçu de ne pas avoir réussi à le finir. Alors attendez, on a du tic. On va s'éloigner un petit peu hein, parce que le tic va être un petit peu chiant à aller chercher maintenant. Hop, on va essayer d'aller. Oh, oh bah non. Il est pas si chiant que ça, écoutez. Hop, oh là là, on l'a complètement détruit ici. C'est pas mal parce que ça nous met à 8. Attention, back. Oh, il le veut lui. Oh, il veut le robot. Bon, oh, j'étais pas chaud moi. Ok, vous noterez que moi j'étais pas forcément chaud pour récupérer le robot. Mais on va réussir à s'en sortir quand même. Ça va, ça va. Alors moi, j'ai plutôt un esprit conservateur. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, j'essaye de pas trop prendre de risques. Et pour moi, les robots, c'est plutôt un risque. Là, quand on commence à monter un petit peu en énergie, lui et moi, ça commence à être vraiment très, très fort. On va rentrer des bons coups sur le boule ici. Hop, voilà. On va essayer de faire des... Regardez. Hop, on essaye de leur rentrer des dégâts pour pas qu'ils osent trop s'approcher ici, hein, bien sûr. Le Poco, on lui met des petits dégâts. Le Colt... Oh là 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 là, on a fait très très mal. On se gave. Le Colt se fait plaisir aussi. Et regardez, on devrait finir tranquillement ici. Ouh, il manque un tout petit peu de dégâts. Allez, hop. Oh, le petit kill ici qui va bien. Hop, on va essayer de se soigner. On va essayer de grab. Hop, histoire de finir. Allez, viens par ici, mon ami. Et c'est le top 1. Bah écoutez, c'est pas mal. Une première game assez bien maîtrisée grâce à notre partenaire Better Coldray. Bien sûr, un random. On va partir et on va l'abandonner à son sort et on va aller directement s'ouvrir quelques petites boxes. Hein, puisque je rappelle, bien sûr, on est sur une vidéo pack opening. Combien de boxes on s'ouvre? Allez, on s'en ouvre une petite dizaine. Une petite dizaine histoire de s'échauffer un petit peu. Histoire de s'échauffer les poignets, histoire de s'échauffer le pouce. Et on va voir, est-ce qu'on récupère des trucs intéressants? Alors j'avais à peu près, je crois, 6700 d'or ou un truc comme ça. Donc on verra en fin de vidéo un petit peu combien on a récupéré d'or et autres. Ça peut être intéressant pour acheter des Star Power justement, puisque nous on est en recherche. Oh, nice! Nice, le premier Star Power directement sur la première série d'opening, ça fait plaisir. Le Star Power de Frank, tour de force. Frank vole le pouvoir d'un brawler vaincu, augmentant les dégâts qu'il inflige de 50%. Alors ça, c'est quand vous voyez le Frank un petit peu violet, comme s'il avait pris une potion en mode survivant. Eh bien écoutez, ça veut dire qu'il fait 50% de dégâts en plus. Attention, ça fait très 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 mal. Ce Star Power, ça fait extrêmement plaisir. On s'ouvre, allez, encore deux petites boîtes, histoire de dire. On a fait une petite 10. Et en plus, on a récupéré un doubleur de jeton. Écoutez, c'est un début de pack opening très efficace, ça. On enchaîne sur une deuxième game. Allez, on veut un partenaire aussi efficace que celui juste avant. Et ça nous mettrait très très bien. Alors, on a une EMZ et un Colt juste au-dessus. Je suis avec un El Costo, ça me ravit pas plus que ça parce que franchement c'est une map qui est très 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 ouverte et donc du coup le El Costo qui est pas forcément exceptionnel, ça peut être intéressant pour aller chercher des robots, ça par contre, on va pas se le cacher, ça peut être intéressant uniquement dans ce cas là. Ici on va essayer de laisser notre pote s'approcher un petit peu, voilà, vous voyez, il met un petit peu la pression, on va essayer de récupérer cette énergie supplémentaire. Voilà, on va finir la EMZ normalement. Hop, allez, 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 on peut finir les deux, on peut finir les deux. Oh, je suis un peu déçu, j'ai fini aucun des deux.
Allez, hop, ça dégage. On a au moins fini un. Oh dommage, le grab qui est pas passé. Ça aurait été exceptionnel parce que EMZ, si vous la grab, si... elle est morte. Hein. Attention, attention, ne meurs pas, mon ami. Ne meurs pas, mon ami. Back, 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 back. Ok, parfait, parfait, parfait. Ne meurs pas, il faut absolument pas mourir. Parce que du coup, ça te rendrait vraiment très faible. Là, le Colt, ça nous va bien. Hop, hop, regardez. Hop, on décale. Bim, le petit one shot. Hop, on va essayer de rentrer des dégâts sur lui. Lui qui se fait détruire. Nous qui récupérons tout ça. Oh là 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 là, mais on est en train de se gaver. Il y a encore 4 équipes, attention. Hop, pourquoi pas. Oh bah écoute, Piper, c'est très gentil ça. Hop, hop. Alors attendez, qu'est-ce qu'on tue en premier là? Hop, oh ça n'a pas passé. C'est pas passé. Oh attention par contre, eux ils ont 10 d'énergie. Oh ils sont remontés. Hein. Ils sont remontés. Oh attention. Ok, ok, ok. Voilà, cachons-nous, cachons-nous. Vas-y, c'est bien. Body block. Non, 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 écarte-toi pas. Ok, parfait. EMZ, EMZ, attention, la EMZ qui est violente. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Hop, hop. Ok, c'est pas mal. Oh, la bonne charge ici. Attention, faut pas mourir. Voilà, faut vraiment reculer, c'est parfait. On est à 8 d'énergie. 8 d'énergie. On est avec des randoms qui sont de qualité, en tout cas. Hein. On a pas à se plaindre. Hop là, vas-y, on l'a fini avant que la Piper revienne. Ça va nous mettre bien. On va pouvoir grave tranquillement. Ok. Allez, tiens, reviens encore à corps, toi. On le déboîte. Oh, il avait posé sa petite dynamite au sol, mais ça n'a pas suffi. Écoutez, Tezwam qui nous a bien aidé finalement avec son El Costo. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi efficace. Il veut chercher l'amitié, mais non. Désolé, désolé, je suis dans une vidéo pack opening et donc du coup, j'ouvre des boîtes. Allez, c'est le principe. On croise les doigts, bien sûr. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous voulez me donner un petit peu de chance pour récupérer davantage de Star Power. On en a déjà récupéré un, hein, c'est pas dégueulasse. Et on va enchaîner. Alors, vas-y, vas-y. Donne-nous du bon petit Star Power. Oh là là, des tickets. Des tickets, c'est toujours intéressant quand même. On va pas se plaindre. On aime bien les tickets et les doubleurs de jetons. C'est vraiment hyper, hyper intéressant. Les doubleurs de jetons, c'est 2 boîtes directement gratos. Donc, on apprécie. Ah bon. On était parti sur des chapeaux de roue avec un très, très bon, une très, très bonne première série. Hein, forcément, on a récupéré un Star Power, donc on s'est fait plaisir. On a déjà récupéré un petit peu plus de 1000 d'or. Donc, c'est pas mal. Et on enchaîne sur une troisième game. Et on croise les doigts. On croise les doigts. Pour l'instant, nos randoms ont été excellents. Écoutez, on a encore un El Costo, c'est assez étonnant. Alors attendez, est-ce que je le laisserai pas finir cela et moi aller chercher plutôt ceux qui sont loin. Voilà, hop. Voilà, comme ça, ça nous permet de nous positionner directement sur ces box-là. Hop, hop. Oh, attention, 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 attention. Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. 1800. 1800, ça fait extrêmement mal. On va essayer de se récupérer des caisses supplémentaires. Oh, attention, attention, attention. Le jean qui fait... Le jean qui fait un petit peu mal là. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Attention. Aïe, aïe, aïe. C'est tendu, hein. C'est très tendu. Essaye de régène, toi. Essaye de régène. Voilà. Ok, moi j'y régène. Bon, ça va être compliqué là. Ça va être très, très, très compliqué. On est dans une situation un petit peu périlleuse ici. On va essayer de rotate peut-être. Voilà. On va essayer de mettre la pression. Voilà. On va essayer de mettre les ennemis. Voilà. Proche de. Ouh, bah c'est très gentil ça, écoutez. Ah, ils sont en train de nous mettre la pression là. Oh, ça peut être difficile. Ouais, qu'est-ce que c'est? Toutes les équipes sont là. Oh, mon El Costo qui a réussi à réapparaître. Ah, ça va être difficile par contre. Hein. L'escape ici. Oh, attention. Oh, il atterrit dans un nid de... Eh ben écoutez, franchement, on est pas si mal parce que si on peut se récupérer le brawler... Non, t'aurais pas dû partir par là. T'aurais pas dû partir par là. Attendez, je vais le repool. Je vais le repool et on va partir dans ce sens-là. On va partir dans ce sens-là. Bon, c'est compliqué ça. C'est compliqué. On va essayer de mettre des attaques. Oh oui, on l'a bien spot. On l'a bien spot. C'est pas mal, on va faire très attention. Alors si on pouvait, voilà, se débarrasser de ça tranquillement. Hop, c'est pas mal déjà. Et on est toujours top 3 là, mine de rien. Ouh, la Rosa qui fait très très peur. La Rosa qui fait très très mal. On arrive à aller chercher le kill ici. Oh dommage, j'ai réussi à faire quand même le petit kill sur le arcade. Je suis un petit peu déçu, ils nous ont mis la pression, on a fait top 3. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, on s'ouvre combien de boîtes du coup pour le top 3? Ah, on va peut-être s'ouvrir que quoi? 5-6 boîtes. Allez, on va faire un contron. On va faire 7, comme ça il nous en restera 160. Et on va se faire une dernière game peut-être. Hop là. Pour finaliser bien sûr cette vidéo. Et pour pourquoi pas aller chercher une bonne offre au shop. On va voir. Sauf si on fait vraiment un top merdique à ce moment-là. On relancera. On relancera parce que on veut acheter cette offre-là. Mais cette offre-là,
Ça se mérite. Et pour mériter, il faut un petit top 1, un petit top 2 minimum pour mériter vraiment une belle offre au shop. C'est parti. On est avec de la Jessie. Jessie qui est très très forte maintenant. Hop, hop. Ok. J'allais dire, je sais pas si... Ah putain, il me laisse un petit peu dans la merde. Je vais être obligé Ok, c'est pas mal. Attention, je peux le tuer. Ok, parfait. Hop, attention. Ouh. Oh oui, nice. Ça nous fait un bon start. Finalement, on reste sur un bon start. On va essayer d'esquiver un petit peu cette énergie. On va pas avoir le choix. Ah, j'aurais peut-être dû attendre. C'était peut-être un petit peu trop greedy de la prendre. Alors attendez. Ce qu'on peut faire, c'est why not choper un petit peu le dynamite peut-être. Ah, c'était pas mal. On a réussi. Est-ce qu'on va se récupérer le robot? Non, on récupère pas le robot en plus. Donc on a fait une bonne opération là. On a fait une très très bonne opération. On va essayer d'avancer un petit peu sur le dynamite. Lui mettre un petit peu de pression. Le grab. Allez, hop, et voilà. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre la réapparition de son pote. Ça fait une équipe de moins. C'est toujours intéressant. On est à 7 d'énergie. Ouh, la Piper. La Piper qui fait un petit peu peur. Mais la question c'est à combien sont les autres? Ok. Ils sont à 7 d'énergie les deux là. On va essayer de patienter un petit peu. Ok, c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que ça me permet de récupérer mon grab. On peut essayer de mettre un petit peu de pression ici sur la Piper. Ça fait mal. Ça fait très très mal. On va essayer de back. On veut pas récupérer le robot. Et on peut mettre la pression sur la team qui récupérera le robot là. Alors le robot va où? Le robot va en bas. Ça c'est bien. On peut essayer de grab le robot. Allez, bim bim bim. On tue ça. Vas-y, on met la pression sur la Piper. Allez, on l'a fini. Oh non, allez. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oh, au moins, on est top 2. Je sais pas pourquoi elle s'est barrée, la Jessie, c'est tellement dommage. Oh, vas-y, peut-être. Ah, oh, on fait quand même top 2. Excusez-moi, la caméra s'est arrêtée. Mais c'est pas très très grave, on fait un top 2 assez sympathique. Deux top 1, un top 2, un top 3. Écoutez, c'est plutôt acceptable pour jouer avec du random. Et il est l'heure d'acheter l'offre au shop. Bah écoutez, je rentre mon code de carte bleue et c'est parti. Allez, c'est payé les 11 euros grâce au pouvoir de la carte bleue, bien entendu. 200 gemmes de récupérer, plutôt intéressant. 1200 d'or et 2 mégaboîtes. On croise les doigts, bien sûr, encore une fois, on croise les doigts. On met un petit like pour essayer de récupérer un Star Power. Aïe, ça passe pas sur la première boîte. Est-ce que la deuxième boîte va être plus intéressante? On a 10% de chance à peu près de récupérer un Star Power. Aïe, ça ne suffit pas non plus. Écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé là. On est obligé d'acheter l'offre avec 119 gemmes ici pour aller chercher les 3 mégaboîtes. Peut-être on croise les doigts cette fois. Un Star Power. Il nous faut un Star Power là. On va pas repartir fanny. On a eu un très très bon début de pack opening avec finalement... Ouh, 23 gemmes. Ah ouais, 23 gemmes par contre dans une mégaboîte, ça j'ai jamais vu. C'est assez exceptionnel et ça fait très très plaisir. Sachant qu'en plus, c'était 119, c'est-à-dire qu'en gros là, mes 3 mégaboîtes, je les ai eues pour moins de 100 gemmes. Franchement, c'est worth it, on va voir. Est-ce que ça nous donne encore des gemmes aussi sur celle-là? Moins de 90 gemmes les mégaboîtes, c'est pas mal. Et la dernière mégabox. Oh, un Star Power, quel Star Power on va avoir? Est-ce que ça va être de la Tara? Est-ce que ça va être de la Rosa? Je crois que c'est les deux brawlers auxquels j'ai 0 Star Power. Sinon, tous les autres, je crois, ils ont au moins un Star Power. On va voir ça. Ça fait plaisir. Ouh, la Jessie. La Jessie, c'est extrêmement... ça fait extrêmement plaisir. Pourquoi? Parce que la Jessie a été buff lors de la dernière mise à jour. Et donc, du coup, bah, c'est intéressant. Elle redevient jouable à fond complètement. Et elle redevient très, très forte. Donc, deuxième Star Power. On a eu 2 Star Power. On a eu beaucoup d'heures. On a récupéré combien? Ah, on n'a pas 400 doubleurs de chance, c'est excellent aussi. Écoutez, on s'est fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et on était à peu près à quoi? À 6000, je crois. 6000 en début de vidéo. Et là, on est à 12000. On a gagné 3 Star Power de plus finalement, parce qu'on a gagné 6000 d'or, et 6000 d'or ça correspond à 3 Star Power de plus. Donc du coup, une très très grosse session de pack opening. J'espère que la vidéo vous a plu, hein, bien sûr. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et moi je vous dis à très très bientôt. Bisous, bye bye.